Et je voudrais vous dire que nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir. Et par la même occasion, je vous souhaite la bienvenue à Kaolack. Et le ministère aussi de la jeunesse vous remercie pour la collaboration, la franche collaboration. Merci beaucoup. C'est très important, je pense, d'avoir une place où tu peux parler avec quelqu'un sans tabou. Très heureux de voir qu'il y a une place ici qui donne de sécurité, mais il donne aussi les informations qui sont nécessaires pour apprendre avec des amis, des collègues et avec des autres personnes. Nous avons plusieurs produits, alors vous allez voir à la fin ce que nous produisons à la totalité. Mm-hmm. Parce qu'avec le mil, nous en faisons du sankal, du harao, du chakri, aussi de tchéré. Donc là, TP2A, transformation de produits agricoles, lutte contre la malnutrition des enfants. Mm-hmm. Parce que là, au niveau de la zone là où nous sommes, et d'autres zones comme le Fatigue et autres, il y a la malnutrition qui est présente. Vous, l'UDAM aujourd'hui est devenu presque quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un modèle qui est en train de semer partout. Des émules même dans la sous-région. Au niveau local, nous avons reçu pratiquement tous les autres départements de la région de Fatigue. Et les autres régions ont tapé à nos portes. Dans la sous-région aussi, c'est le même phénomène. Nous avons reçu la visite des Maliens, la visite des Mauritaniens et même les Guinéens. Je pense que c'est toujours un plaisir de parler de ce modèle que j'ai vu naître, grandir, que j'ai vu également fournir des résultats au niveau départemental, mais également au niveau de la couverture sanitaire universelle au Sénégal et en Afrique. Vraiment, je n'ai pas de mots pour dire combien je suis fière et combien je voudrais vous tous féliciter. Et je voudrais aussi féliciter notre agence de coopération Enable. Merci, je suis très fière et félicitations pour tout le travail. Normalement, ils devaient attendre là-bas pour les discours. Mais vous savez, l'engouement et les attentes, vraiment la motivation, l'espoir qu'ils ont en ce projet d'Annabelle, là, cette zone. Donc l'engouement des populations, vous avez vu les tout-petits, il s'agit de leur avenir. Ils sont venus à pied, ils ont couru depuis là-bas pour arriver ici, hein, pour assister et voir exactement. Aujourd'hui, notre droit est ciblé. Nous vous demandons, Madame le ministre, de bien vouloir porter le plaidoyer au niveau du sommet de la COP26 pour défendre vraiment ce ciblage et aussi nous porter votre soutien. Et je comprends très bien, Madame le maire, après l'explication des hommes, des femmes et des jeunes, et ici, les conséquences du changement climatique sont très réelles. Ça veut dire qu'elles ont un impact sur votre vie. Un impact très fort. Un impact qui décide où vous avez un choix ou pas. Et ça, ce n'est pas juste. Et c'est pourquoi la Belgique a décidé de commencer une collaboration
avec ce village.